Voyez-vous, nous n'avons pas forcément besoin de tuer pour maintenir l'ordre. Les tortures font un très bon moyen de nous réserver l'intérêt national et préserve la stabilité mondiale. Et l'ordre certain serviront d'exemple. Le quartier et les gens n'ont jamais été aussi calmes que jusqu'à présent. Même le chien s'est tué dans la pénombre désormais. Ainsi l'anonymat et le secret est préservé. Vous pouvez m'observer longuement, mais vous n'en serez pas plus que ce que je veux bien vous révéler. Ne vous mettez pas en travers de ma route, ne mettez pas le nez dans mes affaires et tout ira pour le mieux. Je ne fais pas les choses par hasard et ne fais sûrement pas par plaisir mais par devoir. Ne tirez pas de conclusions hâtives et on se passera de vos avis. Vous n'avez qu'une partie de l'énoncé. C'est par ses mauvais agissements et son mauvais comportement du passé que cet individu en est là où il en est aujourd'hui. J'agis seulement sous la volonté du Seigneur devenu, sans le vouloir, bras armé de la justice comparable à une sorte de justicier masqué. Oui, avec l'approbation de vos hauts dirigeants, eux-mêmes plus convaincus par mes méthodes et ma personne, alors la meilleure chose qu'il vous reste à faire agir pour le bien de tous. Car du ciel, je garde un œil sur tous. Et tôt ou tard, vos mauvaises actions ou vos mauvais agissements seront punis et vous mèneront à subir le même sort que cette énergie humaine. Reader.